Ah, il mérite vraiment la gloire. Qui est notre Dieu ici? Alléluia. Gloire à Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta fidélité, Adonai. Nous voulons te dire merci pour ton amour qui se manifeste, Seigneur, dans l'adversité, dans les épreuves, dans les combats. Nous voulons te dire merci pour ta vérité qui nous a franchis. Sois béni, Adonai. Adonai, tu es vraiment merveilleux. On veut de plus en plus se cacher dans sa présence. Car loin de sa présence, rester loin de sa présence, c'est côtoyer la mort. Tu es vraiment merveilleux, Adonai. 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 Tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Tous ensemble. Tu es vraiment. Qu'elle aime. Holy God, oh,
sois béni. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Love you. I need you. Nous avons besoin de sa présence. Sa présence. Sa présence. Sa présence. Sa présence. Sa présence. Seigneur, demeure parmi nous. Viens demeurer parmi nous, Seigneur. Gloire à Dieu. Sa présence. Tu en as besoin. Sa présence. Pour restaurer ton cœur, tu en as besoin. Tu as besoin de sa présence. Jesus. Lord, we love you. Holy God. You are holy, holy God, holy God. Oh, you are holy, holy, you are holy, holy God. Father, we love you. We need you, oh Lord. Oh, je t'aime, toutou chéri. Toutou. Nali Guillo, je t'aime. Holy God. Father, we love you. I need you, Lord. Ah, Jésus, 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 oh, 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 Balaka. Father, we love you, Jésus. Jésus, je t'aime, doudou, chérie, oh, 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 oh. Reçois ce chant nouveau pour ta gloire, oh, 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 Holy God. Tu es saint. Tu es saint, mon Dieu, tu es saint. Sainteté à ton nom, sainteté, sainteté.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Oh Père. Que les portes élèvent leur linteau, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Yeshua, Mashiach, le roi de gloire. Pardonne-nous nos offenses, nos péchés, nos doutes. Accueillons-le. Je contemple ta sainte Père. Père, reçois la gloire. Je t'en prie. Les choses qui m'entourent ne plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien.
Je Il n'y a que toi, Seigneur. Qui importe? Je veux ta Adore-le. T'adorer. Oh, je veux. D'adorer Dieu d'Israël. Je veux t'adorer. Je veux tous ensemble. Un, deux, trois. C'est la raison pour laquelle je vis. To worship you. Nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Dieu, nous voulons t'aimer Seigneur. All together, lovely. For to me, here I am to worship, here I am to bow. Qui l'aime ici? Est-ce qu'on peut l'acclamer tous ensemble? Alléluia. So hard to wonderful to me. Oui, je te célèbre.
oui, je te célèbre. En toi, en toi, toute grâce, tout est admirable. Dieu, que tu es si bon et bon pour moi. Qui l'aime ici. Wow. Alléluia. Nous sommes là pour lui. Serge, Serge, viens prier pour cet enfant. Qui aime sa présence? Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Nous saluons les frères et sœurs qui nous suivent depuis leur maison. We greet the brothers and sisters that are following from their houses. Il y a beaucoup de souffrance. There is a lot of suffering. Dieu est au contrôle. God is in control. Nous avons fait une mission, nous avons été à mission à Libreville, au Gabon. So we were on a mission in Gabon, Libreville. Le Seigneur nous a beaucoup assisté. And the Lord helped us a lot. On a fait 422 baptêmes. We had about 422 baptisms. C'était glorieux. It was glorious. En 2006, on avait fait 300 baptêmes là-bas. Back in 2006, it was about 300 baptisms. 2008. Back in 2009. Bon, je pense que les choses commencent bien là aujourd'hui. So I think things start off pretty well around here. Amen là. Amen. Bring her forward, please. On n'a même pas commencé à parler des démons. On est en train de faire le compte rendu. We didn't start talking about demons. Sors. Come out. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. On fait quoi avec ce démon? What do we do with this demon? On fait quoi? Au nom de qui? In the name of who? Qui Jesus. Peut chasser les démons ici? Who is able to cast out demon out here? Chassez ce démon alors. Let us cast out this demon right now. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Maintenant. Sors d'elle. Voilà. Allez, sors. La mort te lâche. Death comes out of you. Les esprits de zoo te lâchent. The spirits of waters come out of you. La malédiction est brisée. The curse is broken. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Fini. Over. Femme. It's over. C'est ton jour. It's your time. C'est ton jour. It's your time. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Voilà. Elle te vomit. She's vomiting you right now. Fini.
It's over. Wow. Ça c'est une de reine. It's one of the queens. Une de reine de côte. It's one of the queens of coasts. Femme, woman, Jésus-Christ que nous servons, Jesus Christ that we serve, te délivre aujourd'hui. He's setting you free today. Voilà. Tout sort aujourd'hui. Everything comes out today. Tu reçois la guérison. You receive healing. La restauration. Restoration. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu as assez pleuré. You cried enough. Fini. It's over. Jesus. Voyez l'importance de l'adoration. You see how worship is important. Mets-toi à genoux. Go on your knees. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Enlevez sa montre. Oh Jesus. Qui est venu avec elle? Who came with her? C'est la première fois qu'elle vient au programme. Is it the first time she ever come here? Ah? Hein? Elle vient de Londres. C'est une reine. Une de reine de côte. Queen of coast. Elle n'est pas la seule ici. And she is not the only one up here. Et une deuxième. There's another one. Sirène ici. Another mermaid. Avec qui ce démon communique. With whom this demon is collaborating. Sors. Come out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Sors. Come out. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Sors. On acclame Jésus de Nazareth. Lâche-la. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Oh, amen là. Bring her forward. Dis à ton voisin, ça commence bien. Tell your neighbor, it's starting off well. Voilà, la sirène dit, laissez-moi, amenez-la. See, the mermaid water says, leave me alone. Bring her forward. Dis à ton voisin, il faut adorer Dieu. Tell your neighbor, we must worship God. Nous ne pouvons pas te laisser. We cannot leave you alone. Elle a peur de moi, she's afraid de of ce me. Que Dieu a mis à nous. Afraid of what the Lord has put within us. Voilà. Là-bas, ça sort. It's coming out here. Là, elle a peur. Here, she's afraid. Cette reine qui vient de Londres, this mermaid that comes from London, était en train de demander de l'aide à cet autre démon. Was asking for help to this other demon. Et Dieu me l'a montré. And God showed it to me. Et un ange, un archange and est venu came down avec une épée with a sword, et il a brisé la communication and entre les deux. The collaboration between those two demons. Et là, ça sort. And it is coming out here. Et celle-là aussi, elle va s'en aller. So it is right here. Ne la touchez plus. Don't touch her. Viens ici. Come up here. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Ici. You come here. C'est un ordre. It is an order que je te donne. That I give you. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tu es obligé. You have to. De revenir ici. You have to come back here. Ici. Here. Tout de suite. Right away. Au nom de Yeshua. In the mighty name of Jesus. C'est un ordre. It is an order. Maintenant. Right now.
On acclame Jésus-Christ. Si je me tais, voyez le démon. See the demon? Obéit. It's obeying. Et j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Lève-toi. Stand up. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu sors d'elle. And you come out. Acclame Jésus-Christ. Give the Lord a hand clap. Là, c'est la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Right now, it's the lordship of Jesus Christ of Nazareth going on. Oh, Jésus de Nazareth. Faisons un bisou à Jésus de Nazareth. Kiss the Lord. Dis à ton voisin, c'est réglé. Tell your neighbor, it's over. C'est fini. It's over. Jesus. Il est magnifique. He's wonderful. Dire merci parce qu'il est bon, le Seigneur. Ah oui, magnifique. Death comes out of you. Mm-hmm. Jesus. Mm-hmm. Tu aimes Jésus? Do you love Jesus? Tu l'aimes? Do you love him? Oh, Jesus. Jesus. Il est magnifique, le Seigneur, n'est-ce pas? The Lord is wonderful, isn't he?
cet air que je... Oh, alléluia. Bouge tes jambes là. Un coucou. Et moi, ton voisin, il est là. Non, il n'a pas entendu. Qui le croit? Ah bon? Qu'est-ce qui prouve qu'il est là? Oh, Jesus. Ouh. Oh, alléluia. Une guérison là. La maladie la sort de ce corps. Il y a une guérison que Dieu t'accorde, mon frère. Tu l'as beaucoup espéré, tu l'as beaucoup attendu. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Lève-toi. Aide-la. Oh, alléluia. Oh, oui. Aide-la. Oh. 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 Oh, c'est magnifique. It's wonderful. Ouh. Wow. Wow. Sa présence. His presence. Sa présence. His presence. Oh. Wow. Il y a une tumeur cancérigène, de cancer. There is a growth, cancérigène qui vient de disparaître ici. Just disappeared. Une tumeur. Amen-la. Wow. Pendant que l'onction coule, tu fais tout ce que tu ne pouvais pas faire avec tes jambes. As the anointing is flowing, do whatever you couldn't do before. Oh. Oh. Wow. Wow. Magnifique. Dis à ton voisin, magnifique. Tell your neighbor, wonderful. Magnifique. Wonderful. Magnifique. Wonderful. Wow.
Excellent. 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 Oh, excellent. Excellent. Il se passe des choses. Things are going on here. Magnifique, magnifique. Wonderful. Magnifique. Wonderful. Mm-hmm. Il y a quelqu'un que Dieu ressuscite ici. There's somebody that the Lord... Magnifique. Acclame le Seigneur. Magnifique. Amène-la. Amène-la. Bring her forward. Dis à ton voisin, il est là. Tell your neighbor, he's here. Dis à ton voisin, le maître est là. Tell your neighbor, the master is here. Le maître est là. The master is here. Magnifique. Wonderful. Magnifique. Wonderful. Magnifique. Wonderful. Magnifique. Wonderful. Magnifique. Wonderful. Magnifique. Magnifique. Il est là. Acclame le Seigneur. Magnifique. Il est là. Regardez, regardez, regardez. Magnifique, magnifique. Délivrance. Amène-la, amène-la. Acclame Jésus. Il est là, acclame Jésus. Il est là-bas, il est là-bas, il est là. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Jésus est là, acclame-le. Jésus est ici. Il est ici, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Oh! Je suis surpris. Je suis surpris. Je suis surpris par le Seigneur de gloire. Ouh! Ouh! Paul, il me surprend. Il me surprend. He surprises us. Il me surprend. He surprises me. Il me surprend. He's surprising us. Oh, aucun homme ne peut faire cela. No man is Jésus dead. Est He's en ce lieu. Jésus est descendu en ce lieu. Jésus marche en ce lieu. Il est en train lui-même de toucher, de guérir, de ressusciter, de restaurer, de libérer, de soigner. Lui-même, 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 lui-même. Lui-même. Je suis en train de découvrir Dieu. Je suis en train de découvrir Dieu. Je suis en train de découvrir Dieu. Oh, sa nuée est là. Sa nuée est là. Sa nuée est ici, 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 est ici. Oh. Oh. La nuée de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de la résurrection de Dieu. Oh! Il est là. Il est là. Il délivre, il guérit, il est là. He's delivering. Il est là, 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 il est là. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est ici, là, 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 là. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Oh! Oh, Jésus est là! Je veux qu'on l'acclame, je veux qu'on le reçoive! Je veux qu'on l'accueille! C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe en ce lieu? Jésus de Nazareth! Oh Lord! Oh Lord! Oh Lord! Il nous surprend. He surprises us. Il nous surprend. He is surprising us. Il nous surprend. He surprises us. Il nous surprend. He surprises us. Il nous surprend. He surprises us. Tu peux si tu veux. You can stand Il nous up surprend. If you want. Il nous surprend. Il nous surprend. He is surprising us. Il nous surprend. He is surprising us. Oh. Qu'est-ce qui se passe? What is going on here? Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Qu'est-ce qui se passe là-bas? What is going on? Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Oh, oh, wow, wow,
Magnifique, 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 magnifique. Glorieux, 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 glorieux. Waouh, 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 waouh. Un jour, je sais, il y a quelque chose ici. Oh, magnifique, 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 it's wonderful. Magnifique. It's wonderful. It's wonderful. Même le dernier, il se levera. Même le dernier, il se levera. Even the last one, even the last day, he'll rise up. Wow, wow. Dans ma vie, il se levera. In my life, he will rise up. Dans l'église, il se levera. Through the church, he will rise up. Il se levera. He will arise. Même le dernier, even the last, il se levera. He will rise up. Il est assis, and he is seated, sur son trône. Upon his throne. Il est assis sur son trône. Il est assis. Oh, Jesus, il mérite la gloire. Deserve the glory. Wow! Julien, je suis dépassé. Tous ensemble. All together. Wow! Il s'est levé. Jésus. Jésus! Alléluia! Ma vie! Oh! Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus! Oh! Wow! Si je ne confesse pas ton nom, je l'aime, 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 je l'aime. Ma vie. Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus. Oh! Si je ne confesse pas ton nom, si je ne m'aime pas le sang. Jésus. L'église, l'église a été créée par toi et pour toi, Jésus. Oh, si je ne confesse pas ton nom, je ne t'aimerai pas le sang. L'église, l'église a été créée par toi et pour toi, Jésus. Amen, 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 amen.
avec Dieu, with God, nous ne pouvons rien prévoir. We cannot plan anything earlier, in advance. Je m'apprêtais à partager la parole. I was going to share the word of God. Un démon là-bas sort. A demon over there came out. Un ange vient. An angel came down. Une autre sœur est délivrée. Another sister was delivered. Tiens, toi, voilà, Dieu fait ce qu'il veut. Tell your neighbor, God does whatever he wants. Tu n'arrives pas à te lever, c'est pas grave, on peut la laisser là. Ouh, qui veut son baptême là? Who wants to get baptism? Ouh, Jesus. Ceux qui veulent le baptême, courez ici. All those of you want to get baptized, come up front. On acclame le Seigneur pour eux. Let's give the Lord a hand clap for their lives. Seigneur, je t'adore tout ce que tu es. Magnifique, 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 wonderful. Magnifique. It's wonderful. Acclame Jésus de Nazareth, alléluia. Mighty hand clap. Pour tout ce que tu es. Il mérite la gloire, Jésus de Nazareth. Wow. Oh ben. Oh non, 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 non. Magnifique. Ouh. Est-ce que vous réalisez ce que Dieu fait là? Do you realize what the Lord is doing? Wow. Frères et sœurs, brothers and sisters, depuis chez vous, since your home, rendez-vous compte from your houses, can you ce que Dieu fait. What the Lord is doing, c'est glorieux. It is just glorious. C'est magnifique. It is magnificent. It's wonderful. Est-ce qu'on on peut le baptiser là, Simon là? Est-ce qu'il faut? Tout est ok. Alors, Mélène, suivez Mélène qui est là. Suivez Mélène. On les baptise, on vous attend par la parole. Allez-y. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique, oh magnifique, magnifique, oh magnifique, magnifique, magnifique. Ouh! Tu te rends compte là? Seigneur, Seigneur. On va suivre Mélène là-bas pour le baptême. Là-bas, suivez la sœur là-bas. Magnifique, magnifique, magnifique. Acclame Jésus encore pour leur fille. Oh, magnifique. Oh. Paul, tu te rends compte de ce que Dieu fait? Est-ce que tu te rends compte? Wow. Est-ce que vous réalisez? Can you realize? Qui n'a jamais vu ça? Who has never seen that before? Comment? Viens, 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 viens. Alléluia. Oui? Tu veux le baptême? Tu veux témoigner? Attends, attends. Tu n'as jamais vu ça? C'est glorieux. Quand la gloire de Dieu descend, when the glory of God descends, bah, il se passe des choses comme ça. There are things like that going on. Il est écrit, la puissance du Saint-Esprit se manifestera. It was written, the power of the Holy Spirit would dans le royaume. Manifest. Le Seigneur nous donne un avertissement. The Lord warned us. Il faut se réveiller. It is time to wake il nous faut nous réveiller, up. Nous lever au nom de Jésus. Il nous équipe. Avec lui, rien de plus simple. With on s'abandonne à lui et c'est lui qui fait tout. Voilà. N'oubliez pas une chose, Jésus est venu au monde pour souffrir pour nous. 33 ans et demi, il a souffert sur la terre pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Et nous, nous sommes nés pour le louer et l'adorer. Qu'est-ce qu'on va aller chercher autre chose alors qu'on l'a déjà à la croix? Revenons tous à la croix, plions le genou, comme disait le frère tout à l'heure. Il faut qu'on soit ressuscité. Ressuscité, ça veut dire mourir à la croix et être né de nouveau, être né d'en haut par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs,
Au nom de Jésus, quelles que soient les personnes qui, soient mal, qui sont malades ou pas malades, au nom de Jésus, ils sont déjà guéris par la foi. Si vous permettez 2-3 minutes, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. Il y a quelques mois, j'étais entre guillemets condamné à une chaise roulante. Je n'en avais pas parlé, je crois, mais j'étais condamné à une chaise roulante. Et à ce moment-là, pendant 2 jours, je n'ai pas dormi tellement que j'avais mal. Je ne voulais pas l'intervention d'un docteur. J'ai vraiment prié pour que le Seigneur me délivre de... J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as construit, c'est toi mon constructeur, c'est toi qui dois me donner mes pièces de rechange. Il y a 6 ans, j'avais mon cœur de 80 ans, tu m'as donné un cœur de 20 ans. Tu m'as donné, toi en tant que constructeur, tu m'as donné les pièces de rechange. Maintenant, mon dos, eh ben, il est ce qu'il est. On me dit, le monde me dit que je vais être sur une chaise roulante, mais moi je te connais, tu es mon constructeur. Donne-moi la pièce qui manque pour mon dos pour que je puisse courir et annoncer ton évangile partout où tu m'enverras. Et à force de prier, le Seigneur me fait comprendre pas mal de choses. À savoir, quand j'étais guéri de mon cœur, au nom de Jésus, il y a 6 ans, le Seigneur m'a donné un cœur de 20 ans. Autour de moi, j'étais entouré de chrétiens, pasteurs, enfants de Dieu. Je proclamais ma guérison. On m'a dit, au nom de Jésus, je réclamais bien sûr. Enfin, je vais proclamer au nom de Jésus. On m'a dit, attends Paul, c'est aussi la médecine qui est venue dedans, tu prends des médicaments, tu n'as pas été guéri. Je dis, moi je vous dis que c'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a donné un cœur de 20 ans. Vous êtes jaloux? Vous êtes jaloux de mon Dieu? Moi j'ai un Dieu vivant, je suis un Dieu vivant, je ne suis pas un Dieu mort. Même autour de ma famille, ça crée un peu de zizanie, mais la foi m'a aidé, surtout par la grâce. J'ai continué à croire à ce que le Seigneur me disait, ce que la Bible dit, hein, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais on nous a appris à voir pour croire, alors que le Seigneur nous demande à croire pour voir. Et ça, mes sœurs et frères, il faut le mettre en action. Il faut croire pour voir, ne pas voir pour croire. C'est une erreur. Donc, il y a quelques mois, le Seigneur me faisait comprendre une chose, va passer tous tes examens, étant donné qu'ils ne t'ont pas cru quand je t'ai sauvé, quand je t'ai donné un nouveau cœur, maintenant tu vas aller à l'hôpital, tu vas passer tous les examens, là tu auras l'épreuve. Donc tu auras l'épreuve avant, et après tu retourneras à l'hôpital, et tu auras l'épreuve après. Mais entre les deux, tu ne te feras pas opérer, j'interviendrai sur ton corps. C'est ce que j'ai fait, j'ai tenu obéissance au Père, j'ai passé les contrôles. On m'a donné un papier avec tout ce qu'il y avait dessus. La colonne vertébrale était relativement, dans le bas du dos, était vraiment atrophiée. Et le scanner, donc j'avais une preuve physique que ma colonne vertébrale était atteinte. La personne qui a lu mon scanner m'a dit, monsieur, vous en avez 6 mois, dans 6 mois, vous êtes sur une chaise roulante, il n'y a pas d'intervention qui soit pratiquée sur votre corps. Il dit, vous savez, maintenant on n'ouvre plus de là à là, on fait simplement des petites incisions et on intervient par des sondes. Et après on opère différemment, on opère. J'ai dit, écoutez monsieur, faites ce que vous voulez, mais moi je crois à quelque chose. Maintenant vous croyez à votre truc, moi je crois à quelque chose. Et moi je suis sûr et certain que je ne me ferai pas opérer. Je prends donc rendez-vous avec un grand professeur à Lille, le spécialiste du dos. Et donc un mois et demi après, j'ai eu ce rendez-vous. Et le Seigneur m'a permis d'arriver une demi-heure avant, et ce professeur était là, juste au moment où je suis arrivé. Mais je suis arrivé, mes frères et sœurs, avec une paix extraordinaire. J'avais mes photos, j'avais mes rapports, et puis je suis allé le voir, et je lui serre la main, un monsieur de 35 ans, bonjour. Il me regarde, et je vois de la façon dont je lui dis bonjour, et dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, si habituellement je vois des personnes qui sont comme ça, lui, il est droit comme un i. Avec un, je lui donne mes photos, il regarde, et il dit, effectivement, il dit, mais monsieur, là vous êtes, il était temps que vous veniez, parce qu'on va faire ceci, on va faire cela, on va opérer comme ça. Je dis, monsieur, écoute, tu ne vas rien faire du tout. Comment ? Je dis, tu ne vas rien faire du tout. Parce que je suis déjà guéri. Je suis venu ici parce que pour te dire que j'étais guéri. Ce n'est pas toi qui vas m'opérer. L'opération était déjà faite. Mon père, qui s'appelle Jésus, il est le constructeur. Il m'a donné un nouveau cœur il y a 5 ans. Maintenant, il m'a donné des nouveaux reins pour que je puisse le prier, plier le genou et prier pour justement me repentir. Le gars m'a regardé. J'ai essayé de parler un peu du Seigneur. Il m'a signé un papier. Et après, je suis parti. Maintenant, j'attends le rapport. Le rapport, je l'ai eu la semaine dernière, qui me dit effectivement, pas d'opération doit être intervenue, sauf la prochaine douleur. Et là, la prochaine douleur, on verra bien. Ben, pour l'instant, ça fait 6 mois. Tout va bien. Je peux vous dire que je peux rouler par terre. Je ne peux pas faire un grand écart parce que je fais 130 kilos, mais je suis capable de le faire. Que Dieu vous garde. Voilà. Alors, justement, on a ce pain béni. Le Seigneur a au moins notre frère, Chora.
de nous entretenir les uns les autres par la communion fraternelle au nom de Jésus. Prions les uns pour les autres, encourageons les uns pour les autres. Le ministère que notre frère a, avec tous les frères qui sont là derrière, c'est pas cadeau, c'est pas cadeau. On doit prier pour ces personnes-là. Je sais qu'ils ne dorment pas beaucoup, parce qu'ils ont le cœur au Seigneur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes dans le royaume, nous sommes frères et sœurs. Alors, quel que soit le ministère que le Seigneur nous a donné, par la foi, on doit encourager nos frères et sœurs par la prière, par la foi, par la visite. On peut aussi téléphoner simplement pour encourager. C'est là notre but. L'amour du Père, moi je ne vous connais pas mes frères et sœurs, mais l'amour du Père me fait vous aimer. Ça fait 2 mois et demi qu'on ne s'est pas vu. Depuis le 19 décembre, on ne s'est pas vu. Vous me manquiez déjà. Et le Seigneur a permis, il nous a fait grâce de venir. On est venu de Lille. Nous sommes venus de Lille une douzaine. Il y a 3 véhicules. Bon, bénis ceux qui n'ont pas malheureusement pu se déplacer parce que pour des parce qu'ils travaillaient ou ils recevaient quelque chose de la famille. Bon, on les bénit également. Il faut nous encourager. On est à la fin des temps. Est-ce qu'on est au courant qu'on est à la fin des temps? Le Seigneur, on voit la ligne d'arrivée, elle est là. Elle est là, la ligne, on la voyons. Nous sommes déjà victorieux, mais il faut quand même y aller. Il faut y aller tout doucement, mais on y va. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas plier le genou, justement. La seule personne qui faut plier le genou, c'est devant Jésus. Devant l'ennemi, on ne peut, au contraire, on ne fléchit pas le genou. Psaume 23, le Seigneur m'a donné cette semaine. Mets-toi à la table, en face, je dresse devant toi une table pour, devant tes adversaires. Je dis, Seigneur, ça veut dire quoi cette table? Dis la table, j'ai mis toutes mes bénédictions. Dans Jean 19:30, il est écrit, tout est accompli. Et sur la table, il y a tout est accompli. Et en face de toi, tes adversaires. C'est-à-dire que sur la table, tu as toutes les armes pour combattre l'adversaire. Ah, maintenant, frère, c'est maintenant, sœur, lève-toi et marche. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Magnifique. Wonderful. Vous êtes triste? Are you sad? Ok, on va se voir tout à l'heure pour ça. Ouais. Gloire à Dieu. Glory to God. Il y a une personne qui devait arriver des États-Unis. Est-ce qu'elle est là? There is somebody who was supposed to come from the US. Is this person here? Elle n'est pas là. This person isn't here yet. Que Dieu soit béni. May the Lord be blessed. Ah, tu es venu des États-Unis? Vous êtes un couple? Venez. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de prier pour une mission aux Antilles. We are praying for a mission in the West Indies. Si Dieu permet. If the Lord allows. Bonjour. Alléluia, gloire à Dieu. Vous êtes arrivé de quelle ville? Which state did you come from? On est venu de Massachusetts. We came from Massachusetts. Vous êtes arrivé quand? On est venu hier à minuit. We arrived yesterday at midnight. Wow, et vous repartez quand? On part lundi matin, très tôt matin, 5h. Wow. In the morning. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie, mes amis. Alléluia. Vous ne vous rendez pas compte la soif que les frères et sœurs ont. You don't realize how thirsty the brothers and sisters are. Dieu me dit de vous dire que tout est réglé pour vous. Il vous donne Joël chapitre 2. Tout ce que l'ennemi vous a volé, le Seigneur va tout rendre au nom de Yeshua. Alléluia. Au nom de Yeshua. Il vous donne encore beaucoup d'enfants que vous allez encadrer, les orphelins, les veuves. Que vous allez nourrir au nom de Yeshua. On va se voir tout à l'heure et demain on va se voir pour échanger et on sera aux États-Unis en juin. Amen. On va en parler. Amen. Wow. Au mois de septembre, nous irons à Tahiti. Nous serons à Tahiti. Il y a déjà des gens qui prient là-bas pour qu'on n'y aille pas, des pasteurs, mais there on va y aller. Pastors praying for us not to go there. Parce que Dieu le veut. But God wants it anyway. Nous avons besoin d'entendre le son de la trompette. We need to hear the sound of the trumpet. Au Gabon,
In Gabon, il y a eu beaucoup de conversions de lesbiennes, d'homosexuels, de sorciers. Many conversions of lesbians and homosexuals. Les sorciers venaient devant et confessaient la sorcellerie. Confess their witchcraft. Une jeune fille de 17 ans, a 17 years old girl, elle est venue, she came, elle a dit, moi, j'ai fait appel à la sirène des eaux. I sent for the mermaid of waters, et la sirène des eaux est venue chez elle. And the mermaid of waters came to her house. Et elle dit, toutes les nuits, je pars sous les eaux. Every night she goes under the waters. La sirène vient me chercher et on part nager. The mermaid comes and to pick me up and we're going and swim together in Elle a dit, je veux suivre Jésus-Christ and maintenant. She told me, I want to follow Jesus Christ of Nazareth from, et la sirène from the day est sortie and de the son mermaid corps. Came out of her body. On a travaillé comme des malades. On a travaillé comme des malades. We worked like crazy people. Wow. C'est beau. It is beautiful. Vous savez, tout à l'heure, you know, earlier, j'étais surpris. I was surprised. Pourtant, ça fait des années que j'essaie de servir Dieu. Yet it's been years that I'm trying to serve the Lord. Il m'a surpris. But today it surprised me. En fait, je suis venu comme vous. As a matter of fact, I came just like you did. En tout cas, ceux qui sont venus pour le Seigneur, I mean, for those of you came for the Lord, doivent comprendre que moi aussi, je suis venu pour le Seigneur. Must understand that I also came for the Lord. On n'est pas venu voir un homme. We didn't see it to come and to see a man. Ça veut dire que tel que je suis là, je ne sais pas quoi faire. Which means that when I'm standing right here in front of you, I actually don't know what to do. Là, je ne sais pas quoi faire. As I'm speaking, I don't know what to do. Je m'attends à Dieu. And I'm expecting the Lord. Donc je ne viens pas avec un programme. So I do not come with a pre-established program. Je viens trouver le programme du Seigneur. I come and find the program of the Lord. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur. Je ne Ceux qui sont venus pour le Seigneur comprennent que those who came for the Lord understand that. Nous rentrons dans le programme de Dieu. We are entering the program of the Lord. C'est ça qui est magnifique. And that's the magnificent part of it. On ne sait pas où il nous amène. We don't know where he's bringing us to. Mais on lui fait confiance. We trust him on that. Je ne veux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. À jamais tu seras. Oh! Les amoureux. Les cieux proclament.
rien n'est égal. Rien n'est égal. Oh,
Nous aimons ta présence. Au ciel, ça va être glorieux. In heaven, it's gonna be glorious. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory to God. Quand la présence de Dieu est là, when the presence of God is here, avant même la prédication, even before the preaching, même avant la prédication, even before the preaching, des hommes se lèvent. Men rises pour confesser le péché. Men rise to confess sin. Des gens se lèvent pour réclamer le baptême. People stand up to ask for baptism. Alléluia. Wow. Alors, ceux qui nous suivent chez eux à la télé, so those of you who are following from your houses, constatent que l'image est plus claire, plus nette. They notice that the image is better. Et c'est fluide. And it's flowing right now. Posez-moi la question, pourquoi? Ask me why. Grâce à Jésus déjà, alléluia. Pourquoi? Parce que hier, on a récupéré l'antenne parabolique qui nous a coûté 7000 et quelques euros. Et elle est sur la régie mobile de TV de Vie. Donc on appuie sur un bouton et elle cherche le satellite elle-même. Donc, on va maintenant arriver chez vous à la maison, faire des émissions à partir de vos appartements, vos maisons. Alléluia! Wow, magnifique! Wow! On viendra chez vous avec la télé de vie et partager et vous laisser la possibilité de pouvoir témoigner, annoncer l'évangile. Amen. Amen. Oui. Voilà, chez mon mari qui est malade sur un lit. Je devais l'emmener ici aujourd'hui, mais jeudi soir, il est rentré à l'hôpital. Il est condamné d'un cancer œsophage. Dans quel hôpital il est? Saint-Joseph. Dans la... Ok, on va aller prier pour lui à la fin. Venez nous voir. Pas de problème. Ça va aller? Merci Seigneur. Wow. Est-ce que tu sais que tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur? Do you know that you will sing a lot for the Lord? Oh oui. Oh yes. Alléluia. Magnifique. On n'a pas envie de partir d'ici. We don't feel like coming out of here, don't we? La présence de Dieu. Presence of God. Wow. Et vous savez, dans cette présence, Dieu guérit. And you know, in this presence, the Lord is actually healing. Il y a des choses qui sortent. There are things coming out. Des cancers qui disparaissent. Cancers being vanished. Au Gabon. In Gabon. Le dernier jour. On the last day. Une femme m'a amené sa copine ou sa tante, je ne sais pas. Her girlfriend or her aunt, elle était muette. And she was a mute. Devant tout le monde. And in front of everybody. Elle dit, est-ce que tu peux prier pour elle? She told me, can you pray for her? Je dis, moi je peux prier pour elle, mais il y a quelqu'un qui peut tout pour elle. I told her, I can pray for her, but somebody is able to do everything for her. Yeshua. Jesus. Je priais pour elle. I prayed for her. Le Seigneur me dit, donne-le le micro. And the Lord told me, give her the mic. Et elle a crié Jésus. And she exclaimed, Jesus. Elle a commencé à parler. And she started speaking. Tu étais là où? And I was like, I was all over the place. Comme disent les enfants, c'est quoi chat? Just like kids say, what is that? Et elle a commencé à parler. And she started speaking. Les démons. Demons. Sortaient de la salle en courant. We're coming out. Les frères et sœurs couraient après les démons pour les attraper et les ramener. Les démons disaient, laissez-nous sortir. D'accord, nous vous laissons sortir. Mais laissez les corps. Alléluia. Non, c'est glorieux. It is just glorious. Et on
réalise de plus en plus que Jésus est trop fort. Marc chapitre 8.